comment nous y est tout le monde? Bon bagay, en forme, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire un mot. D'autres sous bouche. Ok, dans la vidéo aujourd'hui, alors tu as un petit ventilateur, ça c'est un gabou manqué dans quelques vidéos, il est toujours là. Ça c'est un ventilateur pour monsieur Samuel Elisée. Samuel, je n'ai pas un ventilateur aujourd'hui, attendez, il y a un problème au niveau chargeur. Alors, il y a des gens qui ont des et que vous faites des garanties dans sous-lit, mais monsieur oublié quoi, il y a le boss ouvert. Donc, il a perdu garantie parce qu'une fois difficile, comme toujours dit nous, il a perdu garantie. Donc, je dis à la je vais réparer pour monsieur parce que côté chargeur, il est venu ouvrir. Bah, on est sûrement inséré et chargeur, mal des fois, forcé rentrer et venir ouvrir côté à l'argent gagné. Alors, mais véritable problème, il vient vraiment, ça a capacité oui, parce qu'il a toujours un chargeur. Véritable problème, non, c'est qu'il vient pas prendre une charge. On va aller comme ça, autant que je me rappelle. Bon, de façon, on va le tester. Suivant, ça me joint, m'a payé. Comment dire? Et agir de la sorte pour moi, si je me réparer. Même moi, la batterie a glissé. Je viens de démonter. Il y a deux façons. On va le garder pour nous réparer. Ça, c'est une. Réparation, ça facile. C'est juste balle, possibilité pour le recharger. Bah, câble, je vais le mettre dehors. Tout comme fait pour un jumpstart. Mais nous va essayer. Je viens de boutler aujourd'hui là. Et puis l'autre bagarre encore, pour les gens qui pensent que ce n'est pas une vidéo, on a un paquet de vidéos. Des fois, nous prenons force. Nous toujours dit ça, mais nous avons beaucoup venu, mais nous avons venu. Nous allons aller back pour nous parler de plus force. Il y a l'autre bagarre en ordre, un chargeur et 100, 60 ampères pour MR, je crois. Nous allons vérifier. Quitter que carbone n'était pas l'aime de lui, donc nous allons essayer d'acheter pour nous voir comment il vient. Je vais montrer nous rapidement, mais je dis à c'est pour vous, monsieur. Avant tout. Ok, ça c'est MC4 ça m'a acheté parce que je ne vais pas de quoi. Juste pour moi. Et moi, je continue de faire ma vie avec l'autre semaine, je ne vais pas parler trop. Ma vie avec le sonovito. Ok, c'est pour ça que j'ai besoin de MC4 ça. Je ne vais pas parler trop comme je dis. Mais pour MR, nous avons un pour MR 60 ampères déjà. Yes, nous avons 60 ampères. Ça sont 60 ampères liés tout. Mais ça est différent. Nous allons voir qui s'acclame pas aujourd'hui, qui est différent de l'autre là quand même. Ok? Même parce que ça va mieux. Sauf que qui est dans le cap mieux travaille, juste pour le cap et nous plus d'options, je suppose. Moi, ça est différent en tout cas. Alors, comme on met la boîte là, il faut me montrer non, comment lier. Pour Mister, pour Mister. Ça a quelques abonnés, il y a un lien, il y a un lien, il y a un moi je parle online, on sale et puis me dit ben moi MPPT Solar Charge Controller, ok? Donc mais ça le manque, c'est pour MR, les différents de l'autre là, et 5 lampes bon, pour qu'il y ait plus d'espace derrière, et puis je pense que ça a cargon l'autre software là, donc cargon l'autre operating system. Si je m'appelle derrière, ça manque, il manque en 60 ampères, voltage 12, 24, 36, 48, l'autre là est-ce que dérivé dans 48? Que je me passe songer peut-être bien, oui, il est dérivé. Et puis on dit maximum PV voltage 160 volts. L'autre là, je prends 150, ancien pour MR. Là, je vais mettre vidéo pour nous quand même. Et puis, maximum input power, il est toujours 720, même genre l'autre là, sous 12 volts, même genre. Peut-être penser au powering system, ça a différent. Différence, véritable différence. Parce que comme je me songer, dans l'autre là, pas de gain option pour nous mettre equalization ou bien pour nous varier tout. Si la voltage, ok? C'est des bols que nous avons, nous avons pas de flot de volt vraiment comme nous songeons. Et oui, ça a toujours pris 720 sous 12 volts. Alors, puissance panneau solaire au cabali maximum. Et puis, sous 24 volts, on balle deux fois 1440. Et puis, sous 36, 2100. Et puis, sous 48, la prend 2800. Même bagarre à l'autre là, apparemment. Sinon, que nous allons rentrer là-dedans pour nous voir si on peut exister dans différents. Ok? Ils sont nés en type quand même, j'aime mon bouton secoué. Il n'y a pas de temps qui est bien fait, j'aime te souhaiter, mais quand même, son 60 ampères MPPT là bien. Hein? Et puis, il y a toujours tout deux what? Il y a toujours deux positifs, je suppose, deux positifs, deux négatifs, que nous pouvons avoir accès avec. C'est le nom wheel, mais on voit. Ça, je suppose, le manuel, bah, il vis pour dévisser quand même. Ok. Donc, vous voyez, panneau, positif, négatif, ok, c'est comme ça le bali. Batterie, positif, négatif, et puis l'autre, positif, négatif.
on va gagner 2. Mais cette fois-ci, je pense que la prend cap 10, 8 s'il le faut. Contrairement à l'autre là qui pas cap 8, ça prend 8. Ok? Pour 60 ampères. Mais elle paraît un peu cheap plastique, un bateau de qualité. Ok, elle va paraître en plastique conservant ça. Bon, en tout cas. Donc ça c'est juste une petite présentation de banon. Mais l'autre vidéo qui va venir, on a fait le volet. Donc pas prendre le temps, on a essayé une vidéo par semaine. Bah dit deux parce que nous occupons un peu le bon CET, c'est le moment pour faire toute pirouette, toute montée descente, c'est ça qui fait 5 centimes et c'est ça qui fait ça. Hein? Alors ça y va en dedans, c'est un manuel et puis vis pour mettre les 4 vis, pour mettre sur le bord là et puis peut-être un quick installation. Yeah, aussi simple que ça. Hein? Ok, c'est-à-dire, depuis qu'il y a la capacité qu'on connaît, c'est pas, comment on pourrait dire, c'est pas d'un cap rien, c'est souci cap contre. Et donc, nous là. Alors, nous n'avons pas qu'à l'inventeur, nous n'avons pas de 10 autres gadgets là. Faute de temps, mais nous avons pris un temps, nous avons pris un jour, chaque jour, nous avons joué off nous, pour nous faire ça. Hein? Et puis, ça, c'est un. Par contre, si nous sommes HQST, ok? HQST, nous avons joué 20A MPPT, mais ça sont 20A PWM. Nous allons juste comparer parce que nous avons l'autre là qui n'a pas de écran. Mais nous n'avons pas acheté un écran tout, parce que moi, il y a un qui vend 66$ en bas, comme ça, sans taxe pour là-dedans, qui a un remote pour modifier les paramètres, je suppose. Hein? Nous n'avons pas acheté pour nous vérifier. Mais ça sont PWM liés, dans le même HQST. Hein? Et nous avons acheté pour nous faire une comparaison. Hein? Bon, là, on a fait une comparaison pour nous aussi. Malgré panneau solaire, non, simulation panneau solaire, non, sans fixe. Mais on a essayé de faire le maximum pour nous voir s'il y a bien différence. Hein? 20A, 20A, HQST, hein? Tout comme l'autre là, nous songe, sa technique couleur blanc. Ok? Naptan? Ok, là, on a fait une comparaison avec un chargeur là-dedans. Donc, Naptan. Donc, on a un paquet de vidéos pour nous faire. D'ailleurs, c'est de. L'autre régulateur que j'ai acheté, que beaucoup j'aime, qui c'est PWM, bon marché, que j'ai acheté pour faire comparaison, beaucoup j'aime venir là vraiment, faute de temps. Nous t'as supposé faire deux vidéos par semaine, hein, dans le moment ça là, parce que nous avons trop de matériel qui là, qui prend bain. Ok, ça va nous avoir, le va nous manuel. Qui paraît un manuel, qui paraît un dépliant, et puis qui a quelques informations de base qu'on a besoin pour utiliser. Donc, ça c'était matériel, dernier matériel nous fait que commandé là. Ok, quand on entre d'emblée dans ça qui concerne nous, c'est-à-dire le ventilateur, ça il mérite un petit nettoyage tout petit, et puis pour nous démonter. Pour nous, ça qui fait nous payer, hein? Songez avant tout, c'est électronique. Hein? Ok, nous avons tout chargé là, que nous pouvons tester pour nous voir si la prend charge, mais je rappelle que Samuel Dezim n'est pas pris en charge. Samuel, ne pas sortir de là, nous allons checker. Donc, nous avons pas chargé dans ce test, ça va être trop de voltage pour lui. Nous avons 5 points pour nous voler. Ok. Ok, et puis. Maintenant, on va s'installer. Et puis ça, on ne va pas rien. Ouais, normalement, on a une indication devant là qui montre que la prend charge, il va pas aller. Voilà. Pas rien. Donc, on va laisser faire connexion directe. Ou bien pour nous mettre fil en batterie dehors. Et puis pour nous recommander à charger. Yeah. Alors avant tout, il faut nous assurer non, que il y a courant dans le câble là. Il faut nous assurer non, que il y a courant dans le câble là. Soit c'est très important.
Combien nous jeunes? 118 dollars. 117, 118 dollars. Ok, donc il y a quoi? Alors, mais comment on a dans il va être très simple. Premier check me fait côté courant rentré qui c'est parti ça là. OK, moi des jackel et puis me tester pour moi si jack là bon. Là me tester moi me joindre 5. Combien volt dans ça donc parti ça bon pas aucun problème là-dedans. Et bien on va avancer. Bon en tout cas mais ça nous joindre bonia là. Nous joindre des jack qui des jack dedans. Apparemment. Ok, apparemment, il y a des jacks qui sont en train de commencer à faire fête. Je vais jack et puis la flasher. Je vais comment. Est-ce que son sol de bois? I don't know. Mais jack et des jacks, vous n'y a là. Je vais jack et puis m'alimenter et puis la flasher normalement. La poncha, j'allais. Ok, comme vous avez remarqué là. En tout cas, je vais quitter tout démonté comme ça pour moi si la batterie est full. Après tout le temps, ça y est. Donc, lithium batterie, hein? Respect pour lithium batterie. Nous allons vérifier si après tout le temps ça va, on a quitté le fond 2 heures de temps. Et puis, si la batterie a penché, si la batterie a cabalé, on a le ventilateur pour contre lui. Mais logiquement, le ventilateur a supposé qu'il a démarré pour nous. Je vais changer le mode d'opératoire, c'est le bouton ça. Yeah, là, le bouton vert. Ça va me retirer sur le bord là, je vais le mettre. Ok, je vais peser encore. Ok, clair, même bouton pour pas. Ok, ça a été des jacks et tout, on va le jack et lui. Pour nous assurer que tout va bien. Hein? Ok. Alors, le parent prudent, pour nous faire pas suivre moi. Hein? Pendant le connecter, pour nous jacker, pendant l'alimenter. Même balle juste tester pour moi, si tout va bien vraiment. Ok. Kembe dans l'air. Ok, elle a marché là. Elle a marché, hein. C'est la batterie qui n'a pas de charge. Quand il y a une batterie qui n'a pas de charge, et puis quand elle a marché, elle va mettre speed. Plus speed. Et puis, l'autre speed encore. Et puis, dernier, c'est éteint. Ok. Samuel, où est-ce que tu vas? Tout le monde a marché. Je ne sais pas ce qui est passé, le gimmage, j'ai été fait là-dedans. Mais il y a la point charge là actuellement et puis tout va marcher. Moi pour aller quitter le fin de point charge pour moi si c'est batterie qui est endommagé. Si c'est batterie qui vient pas bon parce que comme monsieur te dit c'est pendant que quitter la marcher. Et puis alors pendant la point charge et puis il quitter le connecter dans courant. Il quitter le connecter et puis c'est-à-dire la utiliser le tout. C'est comme ça le tel vient pas dans rien. Mais par contre si batterie prend frappe, on va tester là, on va charger, le monter la charger. Et puis suivant, si c'est batterie, pour frapper, on a juste changé batterie. Ce n'est pas difficile pour vous, parce que je me suppose que vous avez information sur lui. Pas faire ça, je vais faire là, parce que je vais faire avec précaution pour prendre la bagaille alimenter, pour prendre la pencheur, pour la retirer. Hein. Donc, moi qui batterie, mon affaire, je vais faire aucune information sur lui vraiment. Non, pas vraiment. Même quand je vais me chercher. Je vais avoir un accessoire pour le ventilateur. Ok. Mais jusqu'à présent, on pense que c'est batterie, pas bon, parce que c'est ça qui est plus facile. Juste changer batterie. Je vais quitter le point charge pour 2 heures de temps et puis après, on va commencer. Et puis après, si c'est batterie, pas bon, pour nous acheter l'autre, ou bien voilà. Après 2 heures de temps de charge, donc nous allons aller. Il n'y a pas qu'on fait une foule, non là. Parce que le truc va charger, ma fonti. Voler, montrer, non, que les miens flashé. Hein? Ok, je vais mettre la batterie pour ne pas tomber. On va le vérifier parce que après 2 heures de charge, c'est sûr que la batterie a supposé gain charge, même si ce n'est pas full. Ça, comme elle était comme 6 heures de temps. Mais comme elle a supposé gain charge, on va le tester pour moi si le cas démarre le ventilateur. Autrement, on a accusé la batterie comme si elle n'est pas bon. Ok? Donc c'est ça. Ok. Donc nous n'avons pas besoin de monter. Ok, on a juste switch on. Oh, le parti, batterie a bon. Samuel, je ne sais pas si tu es passé là. Comme
Batraque n'a pas qu'un décharge pour longtemps, nous allons le garder quand même, nous allons prendre un coup de le bon. Mais et actuellement là, Batraque a opéré ventilateur, ok? On a fait le marché là actuellement, ok? Donc, il vient de balancer vitesse encore. Niveau en vitesse. Troisième. Éteint. Ok, on a quitté la batterie à fond de titan. Quitté le fond 30 minutes encore et puis on a essayé de démarrer. Parce que tout va bon là apparemment. Ok. Après 20 minutes, on a essayé de démarrer encore. Si le parti, par exemple, sorti l'heure, la batterie à bon. Parce que si la batterie à pas de bon, on va pas de charge. On a essayé de battre toute vitesse encore. Ok, il est parti. Il marche, on quitte le fond 5 minutes à marcher au moins. Ça va être au maximum speed de l'île. Donc, moi, la batterie est bon. Je vais ça qui est passé, non? Là. Et puis, le chargeur est bon. C'est dans le port de chargeur, connecté et chargeur. Parce que ça ne m'a pas fait, je pense que c'était parti, ça a été un problème. Port de charge, pour mettre. Et câble adapteur, ok, chargeur. Si c'est lui qui a un problème, d'abord faire une connexion directe, me sortir deux filio et puis côté d'abord faire style chargeur bah booster, d'abord mettre sous deux quelque part dans sous côté base là et puis pour charger, mais il y a un problème, il y a un problème ça. Tout colle bon hein, tout colle bon. En tout cas Samuel, tout va bon là, ok. Pour te osciller, qui peut t'enlever encore, ça c'est pas ouais. Pour te osciller, c'était ça. Ok, mais là, osciller, bon petit ventilateur. Ça me l'a pas accusé, ventilateur, même. Non, bon, il va bon, non, ça peut faire. Ventilateur bien marché là, dans le moment. Très bien marché, hein. Un bel fixe et son maximum vitesse li et bien à bétain. Ok, ça m'a moi tout bagay bon, tout bagay bon. Ok, de toute façon et nous tout bagay marché là, on va remonter li et puis recharger normalement et observer avec elle. Donc c'est ça, oui, pas de gain de plus grave, pas de besoin arriver côté pour m'arriver. Ok, nous tournons tout le monde en forme, qui est là. À la prochaine, nous allons commencer à faire vidéo, régulateur, une après l'autre, tout comme nous te connaissons. En forme.